Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va, ça fait du bien. Il fait un petit peu plus frais, on peut respirer. Aujourd'hui, petit lessive de blanc, voilà, bien taché. Et là, on va faire lessive poudre Ariel plus lessive poudre Ariel plus Ariel liquide professionnel. Comme ça, on pourra faire un truc bien, bien comme il faut. Les petits torchons bien dégueulasses. Voilà, tout ça va faire un petit prélavage. Voilà qu'on peut voir la gueule de celui-ci, il est bien grommasse. Il est bien bien cracra. Hop, tac. Celui-ci est pareil. Et là j'avais mis le reste du blanc parce que c'était sale, mais bon, sans. Voilà. Celui-ci aussi, il est bien aussi comme il faut. Et voilà. Plef, plef, clac, clac. Et voilà. Comme à mon habitude. Si la pédale va bien se mettre. Voilà. Toujours l'alimenter en eau. Excusez-moi. Voilà, tac, c'est alimenté en eau, en électricité, hop, on met en route. Petit, voilà, petit tac, sans essorage, et voilà. Et en rapide, on va lui foutre de la Ariel, voilà, Ariel professionnelle. Une petite bouboule bien pleine et une petite bouboule de liquide. Il me reste quoi? Il me reste encore tout ça. Ça fait 2 mois. Voilà, comme ça, un pavage, ça suffira amplement. Une boule quasiment pleine. Elle sent super bon celle-là, j'adore. T'as la parfum qui claque, c'est horrible. Elle sent super bonne. Petite lumière pour blanchir le linge en même temps. Et voilà. Et je vais vous laisser visionner un peu tout ça. Bon visionnage.
Thank you.
Voilà, la machine s'est terminée. Alors, je ne sais même pas pourquoi qu'elle a pas vidé. C'est bien la première fois qu'elle me fait ça. À mon avis, je pense que ça fait partie d'un arrêt cuve pleine. Nous allons voir les résultats ensemble. Voilà. Bon, allez, voilà, voilà. Alors, celui-ci, puisqu'il est juste en face, alors je vais l'essorer. Je vais mettre au coin main.
Bon, voilà pour un prélavage assez concluant, on va dire, mais bon, quand même avec pas mal de tâches, hein, comme vous pouvez bien le voir. Alors celui-ci, ça va, c'est bien détaché. Celui-ci, ça va, c'est bien détaché. Celui-ci, ça va, il s'est bien détaché, lui. Et celui-ci s'est bien détaché, mais encore avec quelques petites traces. Voilà, comme quoi que la combinaison, excusez-moi, des deux. Alors, je vous prends la bouboule. Je te le dis carrément, mon copain, je vous prends la bouboule. Allez, voilà, salope. Voilà. Et les petites boules, parce qu'une de poudre, une de liquide. Je te le dis, moi. Tac. Comme le poêle à vache, j'ai fait. Coton 90 anti-tache. Voilà, allez hop. Et c'est parti. Et on va remplir la bubulinette de peu poudre. On va remplir celle-ci de peu poudre. Allez, on va en mettre beaucoup parce que c'est de la lèche. Voilà, ça suffit. Hop. Ça suffit largement parce que après trop de poudre c'est pas bon parce qu'après ça surcharge trop de mousse et après quand pour le retirer c'est que la galère. Un peu de liquide. Ça suffit amplement. Voilà. Et on va mettre un petit peu de hasse. Alors on va mettre un petit peu de nas, de nanas. Voilà, hop, tac. Voilà. Et là on va le mettre directement parce qu'avant qu'il fasse glu 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 comme ça, voilà. Oh putain. Donc, si lui veut bien s'arrêter de couler, connard. Voilà, je commence à avoir de la mousse partout, putain de merde. Oula, bon, ça tombe à l'intérieur, mais pas ici. Oups, oups, oups. Clac, lui, on fout ici. On va prendre un autre gant de toilette qu'on va ressuyer. Parce que ça t'achète. Et après, c'est la merdate. Là, la vieille concierge qui gueule, vous connaissez. Hop, encore un gant de toilette. Voilà, bon. Vous imaginez bien la réaction chomique. Chomique du bordel. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, hop. Je vais balancer sa gueule comme ça au fond, c'est parti. Ouh. 3h44, baisse et mort, un truc qui a brûlé carrément. Alors oui, voilà, voilà pour ces petites, pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'est une vidéo pas particulière, mais comme d'habitude, et voilà. Alors gros bisous tout le monde, et à bientôt.